Après la tartiflette, c'est un peu plus. Non, en général, non, mais Karine, je pouvais pas te laisser gagner, toi, parce que. L'année dernière, je faisais 6 kilos de plus. Pourquoi tu pouvais pas me laisser gagner? Parce que toi, tu vas connaître les bonnes réponses. Mais j'avais fait vachement de muscles, je dois connaître. Parce que. J'ai pris trop de poids. Canaria, t'as dû prévoir une préparation différente, non? Non, parce que l'année dernière, j'avais fait les Canaries aussi. Sauf que l'année dernière, je devais faire les Libyennes. Et que ça avait été annulé, on était dans l'avion quasiment. Et ça, mal, on était à l'aéroport et donc il avait fallu que je reporte de 15 jours. Sauf que j'avais travaillé quasiment pendant 2 mois avec un sac de 13 kilos sur le dos à courir dans le verrier, de machin à droite, à gauche. Tu étais obligé de le prendre aux Canaries pour Et aux Canaries, non, aux Canaries, je me suis retrouvé, j'avais pris du poids. Et puis bah voilà, avec quasiment 5 kilos, 6 kilos de moins. Bon, aujourd'hui. On est à Tourmière avec un invité de marque et tout un petit groupe de trailers des Arvis et puis Nancy pour une petite session avec le numéro 1 actuellement français Sébastien Chignot. Il est derrière moi. Donc. C'est le caméraman du club. Ouais. C'est bien, vous êtes bien organisé. Non mais c'est bien parce que au retour, en redescendant, on ira voir si les gros sont là. Normalement ils sont là. Ah ouais. Ouais. Ouais, je vais les voir tous les jours. Tu crois? Attends, ouais. Parce que Kouvad. Monsieur a pris 14 kilos. Donc, ça ne pas. Ah non. Tu es obligé de passer par le petit passage, c'est trop dangereux. Ouais. Sinon, on va prendre le parcours parce que cette partie-là, c'est vraiment très très raide. Ah oui, d'accord. Tu vois le paysage derrière. Un bois passé en se disant certainement c'est un faux dingo celui-là. C'est quoi comme animal? C'est quoi comme bête? C'est quoi comme bête? Et en fait au final c'est vachement sympa parce que c'est très naturel. Là ils ont replanté mais le problème c'est qu'ils ne nettoient pas. Ça y est. Avant c'était David qui m'a envoyé de la neige. Maintenant c'est Sébastien. Oh ils sont pas gentils avec moi, heureusement que la caméra elle est étanche. Hein. Juste au-dessus pour les attendre. Ouais. Juste au-dessus c'est la piste et puis après ils vont chier. Donc. En fait la piste elle est bien. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de. Tu es protégé, c'est spécial neige. Ça viendra. Donc on a quand même. Bah, c'est des 2-4 ça. Ouais, ça fait. 3 Mizuno. Il y a 3 Mizuno. 3 Salomon. 4 Mizuno. Ouais. Ah non, c'est. Adidas. 4 Mizuno. Azix. Pour moi, c'est celle que j'avais dans le garage, puisque les autres sont en Atlas. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Hein. Ah, parce que ça, c'est light ça. Ouais, c'est surtout pumas, ça. C'est de d'il y a 7 ans. Ouais. C'est des vieilles pumas. Et tu sais, quand j'ai fait l'endurance bouche, tu veux rester au soleil ouais. Et ils m'ont dit, faites quelque chose du combien. Jusque sur la tablette là sur les vraiment ouais. Bon c'était un peu sur les ouais. Rampons, mais...
Et en fait, juste sur le replat, on voyait que en fait, jusqu'au chalet de l'eau, ça fait que fondre. Et là, vous avez des zones où c'est l'entrejambe où, qui vous arrête. Sachant que la voie est quasiment nickel par les passages de raquettes. Si on reste sur le froid. Et là, on rentre dans un secteur où il y a des lapias avec des glacières qui font quasiment 100 mètres de profondeur. Donc, vaut mieux rester concentré. Vous allez voir, ça fait juste des petites crevettes. Et en fait, il y a de la neige jusqu'à la nuit. Il y a un autre bip. Ah, mais il y en a un qui filme de l'arrière. Voilà, il y a de quoi faire en plus. Non, derrière. À 360, on est combien? Une la quinzaine à 15. En sommet de Sudil, c'est quand même pas on mal. On attendait le bus, mais il est toujours pas là. Donc, les autres, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et voilà. Ciao, ouais, ciao. Il y a de quoi faire, mais après on est en surette. Ça fait mal déjà. Trucs, ils sont susceptibles de rouler sous les pieds. Ce qui fait peur aux triathlètes ou aux marathoniens. Voilà, donc là on reste vraiment tranquille. Hein. On n'est pas là pour des records de vitesse. Ouais, puis je me mets jamais dans le rouge. Et au niveau récup, tu redescends. En trottinant, je mets 4 minutes, je mets 8 minutes pour monter. Moitié. Pour faire 200, 220, 230 mètres de positif. Ce qui fait que ton cœur redescend. Ouais, et puis je monte en fréquence, je monte là, je monte à 162. Mais là, avec 180. En montant, là ouais. Avec un maximum à 180. C'est le gel à la caféine. Ouais. Et le fruit. J'essaye justement, et le pire c'est que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. La différence. Mais Vas-y, Sébastien, balance. Mais c'est une séance, en fait, je monte par où on est monté, et je redescends par là, pour faire mes côtes. Et en fait, je l'ai fait quasiment les trois quarts du temps à jeun. Je pars avec un bidon de flotte au cas où. Mais avec quelque chose dedans. Et puis ouais, et puis je prends un gel, une barre pour pas avoir de coups de moins bien quoi. Ouais. Mais je mange très peu avant. Mais pourquoi? Bon en fait sachant que je travaille à certaines intensités, que je travaille jamais dans le dur, tu peux sortir à jeun. Ouais, c'est tout à fait faisable. Mais c'est quand même une séance qui va durer plus d'une heure. Ouais, deux heures en général. Ouais. Mais je pensais qu'à mais, un, ouais, mais en fait ce que les gens n'arrivent pas à bien comprendre, c'est que déjà c'est une histoire d'habitude. Ouais. Comme ça. Ouais. Bon, Sébastien, grand merci. Ce fut un grand plaisir, hein. On aurait dû prendre les skis. De nous avoir conduit sur tes chemins. Ouais.
On te souhaite plein de bonnes choses pour cette année, plein de bonnes courses. Avec et plaisir, on... mais de toute manière, on se recroisera. Ouais. On se recroisera maintes et maintes fois. On sera là à t'écouter fin août, on espère de tout cœur que cette année, c'est la bonne. Ouais, mais c'est, ça n'a jamais été la mauvaise. Hein. Non, oh oui, non, non, c'est sûr. Il y en a 2300 qui auraient bien signé à ma place. Ouais. Hein. Non, mais donc, France... Non, mais moi, l'optique, comme je dis, hein, comme j'explique... L'objectif, c'est vraiment prendre du plaisir, m'amuser tout le long. La place et le temps, ça reste qu'une conséquence d'une bonne préparation. Et voilà. Donc, que du bonheur. Toujours se faire plaisir. Voilà. Que du plaisir. Ah bah oui, c'est sûr. J'ai un grand slogan qui dit que la montagne est belle. Oui. Moi, j'en ai un autre, c'est ce qui me tue pas me renforce. Oui. Ah voilà. Voilà. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais, quand bon. Tu te prends une châtaigne, tu te dis bon bah je suis pas mort, donc c'est que ça doit servir à quelque chose. Bon bah à merci bientôt, beaucoup, hein. À bientôt. À bientôt.